Bonjour madame. Non, on se connaît. J'ai été voir un médium un peu chinois ou un chinois un peu médium, je ne sais pas dans quel sens, et il m'a dit, vous les magiciens, ce qui est bizarre, c'est que vous êtes obligé de faire choisir une carte pour la retrouver. Et c'est après que vous avez besoin, vous devez gagner votre pourboire. Il m'a dit, j'ai une astuce, donc il avait sa petite coupelle, et il me dit, maintenant, voilà, j'ai retrouvé ta carte, tu peux mettre le pourboire. Du coup, bon, c'est un peu moins drôle parce que tu ne l'as pas choisi avant, mais il m'a quand même donné ça. On va essayer quand même de faire quelque chose ici. Donc, tu te rappelles de la carte? C'est bon, c'est important. Et on va avoir besoin de... Il m'a donné un jeu aussi. Ah, on ne va pas avoir besoin de la coupelle pour l'instant, mais on va avoir besoin du jeu. Un jeu de cartes. Et ce que tu vas faire, c'est que je vais faire juste des petits paquets et tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Tu prends la carte et tu la montres à tout le monde, mais surtout, tu t'en rappelles, c'est important. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est la même, normalement, que la prédiction. Non? C'était quoi la... 10 de trèfle, c'était quoi la prédiction? Le 3 de trèfle. Ah, attends, si tu regardes ici, ce qui est marrant, c'est que c'est normalement maintenant le 10 de trèfle. Oh, c'est génial. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que dans le jeu qu'il m'a donné, t'as pas choisi aucune... Oh, c'est incroyable. Super. Et voilà, tu peux tout examiner. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Merci Muriel. C'est moi qui bon week-end.